Alors, Mais bon Dieu! Ce n'est pas le tout de créer des emplois, moi je dis, il faut en libérer. Bonjour Olivier, comment t'appelles-tu? Olivier. Olivier, tu as quel âge? 29 ans. 29 ans, et tu nous libères un emploi de quoi? De moine. Ah, de moine, hein? De moine dans quelle région géographique? En Provence. En Provence, donc j'ai dit pour les jeunes qui nous écoutent, la Provence est plutôt le sud de la France, donc une région très ensoleillée, une région très ensoleillée, je dis, ça peut intéresser les jeunes. Et beaucoup d'avantages, notamment vous êtes nourri, blanchi, logé. En effet, oui. Donc, il n'y a pas besoin d'aller au pressing, il n'y a pas besoin de payer son loyer, c'est intéressant. Et il n'y a pas besoin d'aller au restaurant. C'est pas trop isolé quand même, vous pouvez prendre l'autocar des fois pour aller au cinéma, boire une bière ou sortir, faire un flipper. Oui, c'est possible quand même. Bon, je dis, puis maintenant, il y a la télévision, donc on n'est pas complètement isolé. Question pépette. Oh, pas grand-chose. Ah bon? Oui, pas grand-chose. Hein. Mais enfin, bon, il y a d'autres avantages. Mais enfin, je dis pour un jeune qui voudrait faire une carrière avec des revenus pécuniers très intéressants, moine, hein, c'est plutôt mitoyen. Hein. Donc, pourquoi libères-tu cet emploi, toi? Qu'est-ce que tu fais? Je me marie. Ah bon? Bah oui, c'est une bonne raison. Oui, c'est avec une jeune fille, non? Oui. Avec une jeune fille qui s'appelle? Véronique. Véronique, qui est blonde? Oui. Les yeux, couleur? Vert. Vert. Eh bien, merci Olivier pour ce joli petit coup de pouce à l'emploi. Une grande fille, non? Bien balancée? Hein? Ben quoi? Wow! Ben alors.